tu as promis au Dieu Tamini, le petit que Capitaine Andy prend en charge. Tu as promis payer sa scolarité, tu as payé. Tu as payé. Tu as promis payer la scolarité du petit Dieu Tamini là. Est-ce que tu as payé sa scolarité? Tu as tenu à ta promesse. Tu veux faire une vidéo, tu dis que même ça coûte combien? Tu as payé quoi? Tu es le plus malhonnête des Camerounais. Tu es le plus malhonnête des Camerounais. Et quand je te parle, tu me connais bien. Tu me connais bien. Des enfants que tu abandonnes partout. Tes enfants, Longue, lui au moins, c'est un responsable. Il fait. Étant au Cameroun, il faisait les mandats à ses enfants en France. Étant au Cameroun. S'il ne s'occupait pas de ses enfants. C'est comme il arrive en France là. Ses enfants, la mère de ses enfants ne devait pas permettre qu'il mette le ses enfants. Là, moi, ses enfants étaient contents de le voir parce que c'est un papa responsable. Bon, ça, c'est même pas le sujet. Finalement, dans ta vidéo, avant de décortiquer ta vidéo, tu sais qui je suis. C'est que j'ai oublié, je n'ai pas le numéro de Karagam. Et si quelqu'un a le titre du morceau de Fingo où il a interprété JB Piana, souverain champion. Si vous partez sur YouTube, le tout premier morceau de Fingon, quand Fingon sort son tout premier album, comédie avec un titre souverain où il interprète le titre de JB Piana. Ça, c'était à l'époque où il vivait encore Casser la Femme dans la maison familiale. Sa maison était derrière en planche. Il dit bien en planche, en matériel provisoire. J'ai dansé dans le clip de Fingon. Il y avait moi. Il y avait Jackass le comédien. Jackass à l'époque vendait les journaux. Il prenait les journaux dans le kiosque de Mobile après moi avant de travailler à Radio Equinox. On finit la tournée du clip. On finit le clip. Le tournage du clip, toute une journée, on arrive chez Fingon autour de 19h30, 20h. On se déshabille, on prie les habits, on remet les vêtements de son piscine pour qu'on lave, il part remettre ou la louer. On tend les mains, Fingon, nous sommes 3 500, ils sont 10 000 pour 3 personnes, il manque 500 dessus. Ils sont 3 500, ils donnent. Quand on décide maintenant qu'on va confisquer les vêtements, il dit, écoutez, il nous dit que je n'ai signé aucun contrat avec vous. Vous confisquez les vêtements, je vous porte plainte. C'est ce que Fingon nous dit, on a rendu service. On a répété pendant une semaine, il n'y avait pas, comment on dit, les primes d'entraînement chez les footballeurs. Il n'y avait pas les primes de répétition, zéro. Une semaine, on a répété. Tout ce qu'on avait, on mangeait seulement. On buvait le jus, donc on rentrait chez nous. On payait le rapport dans nos frais. Fingon, à la fin, nous donne 3 500 francs. Quand vous confisquez les vêtements, Fingon nous dit qu'on n'a signé aucun contrat avec lui. Que si on confisque les vêtements, il nous porte plainte. Et vous pensez, donc sa vidéo ne m'étonne pas. C'est les gens qui ne connaissent pas Fingon, sa vidéo ne m'étonne pas. Quand il fait des promesses sur Facebook, je ris. Quand je regarde, je ris. Je ris. Sa vidéo ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent. Vous avez vu les calaires qui. Parce qu'il est sur Longue aujourd'hui. Que Longue, s'il est en train de manier l'Asie. Fingon était ici à Bruxelles. Il était ici à Bruxelles. Avec Flore Brésilien. Lui, il a demandé l'Asie, ça l'a dépassé. On lui a donné un gros marteau. Ça l'a dépassé. Il a souffert ici à Bruxelles. Avant de faire le retour volontaire, il ne voyait plus rien. Il ne comprenait plus rien. Avant de faire le retour volontaire. Lui qui vient se moquer de Longue aujourd'hui. Alors qu'il est passé par là. Il a souffert. Il était ici là comme un malheureux. Il était ici là comme un clochard. Il a demandé aussi l'asile ici, on a donné un gros marteau. Et il a fait le retour volontaire. Maintenant, il veut maintenant gâter le chemin de son frère. Vous voyez qui est ce Fingon? C'est un diable, c'est un méchant. Il dit que c'est un méchant dans l'âme. Allez regarder, allez voir l'interview, le documentaire qu'on a fait sur Fingon à Equinox. Allez taper documentaire sur Fingon à Equinox. Allez voir où sa propre grande soeur, sa grande soeur vit. Dans une maison où la porte, il faut se couper pour entrer dans la maison. Il veut se comparer à Longue que son premier contrat, il a conçu la maison familiale. Il a Longue a construit la maison. Tu te compares à quelqu'un qui a sorti toute sa famille de la pauvreté. Tu te compares à quelqu'un qui a sorti sa famille de la pauvreté. Tu te compares à quelqu'un qui a élevé sa famille. Tu te compares à quelqu'un qui a appris à ses frères et soeurs à pêcher du poisson. Ton grand frère Donato qui était coiffeur à nous dans mon quartier à côté du collège évangélique. Qu'est-ce qu'il devient? Fingon Donato, ton grand frère. Parce que là, moi je te connais Fingon. Je connais ta famille. Et ce que tu as fait là, je vais t'exposer aujourd'hui. Et sache que tu as déclaré ton boycott. Que ce soit parce que William Jordan, le leader de la diaspora, a déjà lancé ton boycott parce que tu as respecté au Canada. Fingon, tu veux te comparer à quelqu'un qui a appris à sa famille à pêcher? Le grand frère de Longue qui est en Suisse, c'est Longue qui l'amène. Bébé Diamant, son fils, et Bakanda, sa fille, qui est en France aujourd'hui avec leur mère, c'est Longue qui les amène. La grande soeur de Longue qui est en France aujourd'hui, c'est Longue qui l'amène. Elle est là-bas en Suisse avant. Toi, Dolado, ton grand frère, Dolado qui était coiffeur à côté de le kiosque de coiffure, le genre de coiffure, pardon. Le salon de coiffure à côté du collège évangélique, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il est? Il ne fait pas le bel sikin. Dolado ne fait pas le bel sikin. Dolado n'est pas sur une moto. Est-ce que tu as ouvert un salon de luxe, un salon moderne à ton propre grand frère? Tu as ouvert un salon? Est-ce que tu as ouvert un salon? Dolado, ton grand frère, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il devient? Regardez l'écurie de Fingon. Blacka, il est revenu de la Belgique. Quand Fingon est revenu de la Belgique, Tolé est allé voir Blacka, il y a tout ça là. Regardez tous ceux qui ont travaillé avec Fingon, est-ce qu'ils sont encore là? Là, il allait ramasser les petites filles naïves là. Là, il allait ramasser là, les petites filles naïves dans les quartiers. Vous venez tout, vous venez tourner avec lui parce qu'il va, il va duper cette fille là, il va tromper ces petites filles là. Leur donner les miettes pendant que lui, il est en train de s'enrichir. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul sur cette terre.
Vous savez pourquoi Longuet Longuet est en vie? Vous savez pourquoi Longuet Longuet est debout? Vous savez pourquoi Longuet Longuet a encore le souffle de vie? Parce qu'il n'a pas accepté d'être heureux tout seul. Longuet Longuet pouvait faire comme Fimo. Longuet Longuet pouvait gagner son argent à lui seul et sa famille dans la pauvreté. Est-ce que c'est facile de voir quelqu'un qui signe un contrat? La première chose qu'il fait, c'est construire la maison familiale. Allez construire la maison familiale. Allez voir la maison familiale de Fimo à Casa la Femme. Je vous invite à aller regarder, voir la maison de Fimo à Casa la Femme, la maison familiale de Fimo à Casa la Femme. Tous ceux qui étaient avec Fimo, tous ceux qui étaient autour de lui, tout le monde a fui. Parce que lui, il ne pensait qu'à lui. Même Black Oya l'avait dit dans ce documentaire-là, quelque chose avait tourné. Que c'est même Tolé qui est à côté de lui, avait dit que le seul défaut de Fimo, c'est qu'il ne partage pas. Il dit Tolé, bonjour Edmé Adenance. Tolé, son neveu. Tolé a dit dans l'interview-là, que le seul défaut de Fimo, c'est qu'il ne sait pas partager. Il a mangé seul. Tu as escroqué une femme ici, Flore Brésilienne. Tu as mis cette femme à zéro. Tu l'as fait prendre des crédits ici dans les banques. Elle est en train de rembourser ces crédits-là. Elle a envoyé son véhicule au Cameroun. Tu as dit que son véhicule, on a volé le véhicule, elle est au Cameroun, elle vole le véhicule. Elle a commencé à construire cette maison avec toi, elle t'a fait confiance. Tu as mis la maison à ton nom, elle t'a fait confiance. Qu'est-ce que cette femme devient? Elle devient quoi cette femme? Tu as allé aux États-Unis, on a donné la babouche de quelqu'un, de rentrer remettre ça au Cameroun à une autre personne. Tu as dit que la babouche a disparu. Par malchance, on t'a vu avec la même babouche au pied dans une boutique à Aqua. Avec la même babouche au pied. Tu arrives aux États-Unis, tu le connais pas les États-Unis. Calagan. Et le comédien, c'est que aux États-Unis, qu'on appelle comment là? Bifaga. Le général Bifaga. Il t'accueille aux États-Unis. Tu fais la soeur de Calagan se séparer de son frère. Alors qu'il veut dans une même maison. Tu arrives, tu trouves une famille. Tu les divises pour tes biens égoïstes. Tu prends le spectacle que Calagan et Bifaga ont organisé. Tu t'encapares de l'événement. Tu veux faire tout seul. Tu veux manger seul. Tu veux prendre la grosse partie. Mais les gens comme toi meurent très vite. Dis-moi, tu sautes par la mort, tu vois. Tu sautes par la mort. Mais les gens comme toi la finissent mal. Très mal. Très mal. Parce que le mal, ne crois pas que le mal, c'est seulement tuer. Ne pensez pas que le mal, c'est toujours atteindre la vie de quelqu'un. Non. Le mal que tu fais autour de toi. Combien de personnes sont venues dans ton écurie et sont parties mécontentes? Combien de personnes? Aujourd'hui, tu viens parler de Longuet. Tu n'arrives même pas à t'indigner dans ta vidéo. Tu n'arrives pas à avoir de la compassion. Tu arrives à avoir du remords. Pour les souffrances qu'un être humain a subies. On fout la plante des pieds de quelqu'un avec la machette. Mais Fimo, tu veux faire une vidéo pour te moquer de cette personne. Mayol Francine. Taguez-moi cette fille-là. Taguez-moi Mayol Francine. Mayol Francine. Je vais te dire quelque chose. Donc, ce que tu as fait, que tu veux parler des routes, de la Bafoussam. Mais la plante des pieds ne sont pas solides. La moquerie. Ton poste pour te moquer de Longuet Longuet. Toi-même, tu vas subir. N'est-ce pas, tu prends le visa pour venir en Europe? N'est-ce pas, tu prends le visa pour venir en Europe? Regardez comment vos sorties ont révolté. Regardez comment vos sorties ont fait venir dans nos rangs, même ceux qui avaient décidé de faire le boycott. Regardez comment la torture de Longuet Longuet a fait même ceux qui étaient qui sont dans le combat, mais qui ont dit que le boycott, ils n'en feront plus partie. Et on a respecté, mais ils sont revenus parmi nous. Parce qu'ils ont vu les vidéos. Les paroles, on peut parler. Je peux dire que bon, on m'a agressé là dehors. On m'a percé l'œil. Je vous montre l'œil qui est percé. Vous aurez du remords. Mais si je vous montre la vidéo de comment les gars me massacraient, me marchaient dessus, vous percez mon œil, vous aurez plus mal. Et c'est ce qui est arrivé avec la vidéo de Longuet Longuet. Avec la vidéo de Longuet Longuet. Vous avez ramené parmi nous des gens qui avaient dit non, ils ne font plus le boycott. Mais ils sont restés dans le combat. Vous avez ramené parmi nous. Et nous vous disons merci. Et Mayol Francine, tu vas écoper. Tu vas assumer. Ton poste, tu vas assumer. Mayol Francine, ton poste là, tu vas assumer. Quand je vois les gens dire que Longuet Longuet est bipolaire, il est ceci. Moi, je suis un activiste. Tout ce que Longuet peut faire après, ça ne me dit absolument à rien. C'est sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Longuet Longuet est libre de monter, de ça, fait ce qu'il veut de sa vie. Et Longuet Longuet n'est pas politicien. C'est un artiste, c'est un musicien. Ne faites jamais les comparaisons entre un politicien et un artiste. Parce qu'un politicien qui est bipolaire, le peuple le vomit. Parce qu'un artiste, c'est un artiste. C'est un artiste. Et Longuet Longuet est engagé depuis dans ses morceaux. Qu'est-ce que vous demandez de plus à ce monsieur? Qui a subi, en dehors des militants et les manifestants du MSC qui ont subi comme Longuet Longuet? Tiens-moi également. Fingo, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton village? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton village, Fingo? Tu as fait quoi pour ton village? Longuet Longuet a sorti combien de jeunes du noir avec ses actions qu'il faisait? Qui l'a accompagné? Fingo, ne fasse pas ta vidéo parce qu'elle est déjà enregistrée. Ne demande même pas pardon parce que ce qu'on va te faire, tu verras de tes propres yeux.